Jackie, c'est quoi ça? C'est seulement dans ce salon que tu as vu pour tailler tes ongles. Ah! On dirait les griffes du singe. Ah, je comprends maintenant. Comme tu as fait une petite pédicure, on ne va plus respirer dans cette maison. Ce que tu ne peux pas comprendre, j'ai un dur dossier qui arrive. S'il te plaît, ramasse toutes tes odeurs de pied là et va dans la chambre avec. Je dis, hein? Donc tu me chasses déjà au salon à cause d'un homme? À toi aussi. Mado, tu vas tout me montrer dans cette maison. Hé, Jackie de Jackie. Tu sais que tu es ma partenaire sur non? Après moi, c'est toi. Et après toi, il n'y aura plus personne d'autre. Hein? Ou tu as une partenaire de crime ou pas? Avec toi, ça va vite. Ce que j'ai envie d'ambiancer le gars, je vais l'amener dans une atmosphère qui ne va rien comprendre. Et là, tu sais de quoi je parle. Ah. Oh, Mado, tu viens de me rassurer, hein? Tu viens de me rassurer, là. Je voulais déjà penser que les hommes ne sont pas assez vaccinés ici dehors, hein? Avec tout ce que tu dis dans cette maison nuit et jour, maman, on dirait que moi-même, je suis épargnée. Ma chérie, mon cœur est déjà dur comme le froid de l'Ouest. Je ne blague plus. Oh, 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 oh. C'est ça que tu parles doucement comme ça. C'est notre tour maintenant, ma sœur. Ouais. On doit les faire ça dur, ces hommes-là. D'ailleurs, nous sommes déjà mortes. Laissons maintenant nos fantômes agir, ou bien... Maman, dis-moi, tu avais également un pigeon à rencontrer aujourd'hui, non? Ah non, laisse celui-là tranquille. C'est un faux type. Il me raconte les histoires comme quoi il a un voyage d'affaires. On doit se voir seulement après le voyage. Nanani, nanana. Maman, je lui ai dit que même mon ex voyageait comme s'il rentrait seulement avec un enfant. Massa, voyage de 9 jours, devient un enfant de 9 mois. Les hommes. Yeah. Appartement, ma chérie. Tu as du goût. Merci, mon chéri. Viens. Allez, viens t'asseoir et fais comme chez toi. Je vais chercher ma soeur. Je crois que je t'ai parlé d'elle, non? Je crois. D'accord, installe-toi alors. Merci. Elle arrive. Tu sais, c'est une grosse dormeuse, celle-là. Non, elle se repose, non? Tu sais que le repos est très important. Moi-même, j'en ai besoin. Dernièrement, j'ai tellement travaillé et mes articulations me font mal. Oh là là. Donc, tu as besoin d'un massage. Mais attends. Comment tu as su? Ils font ça bien au spa. Ils massent bien. C'est quoi ça? Tu rentres avec tes chaussures? Mince! Parce que je te demande de faire comme chez toi, tu montes sur mon sol avec tes chaussures. Est-ce que tu sais comment j'ai passé toute la journée à laver ce sol? Ouais, les femmes. Faut bavarder trop. Calme-toi. Et regarde ce que moi je t'ai apporté. Oh, merci chérie. Oh, ça lève la couleur de ma robe. Mais c'est ce que je t'avais demandé la dernière fois. Oui, c'est ça.
C'est vraiment joli. Mais si tu ne venais pas avec elle, j'allais te faire des problèmes graves ce moment. Merci, mon amour. Merci, mon cœur. Enfin, tu t'es réveillée. Bien que je te présente Simplice. Je te présente Jackie. Simplice. Les hommes. C'est ton voyage là ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Mado, tu vois le noir ciré qui est en face de toi là? C'est avec le même noir ciré que j'avais rendez-vous aujourd'hui. Le bon monsieur a annulé le rendez-vous tout simplement parce qu'il m'a dit qu'il avait un voyage important. Mince. Ah bon, hein? Donc c'est comme ça que tu mens. Ne fais pas ça. Je veux rentrer chez moi. C'est pas ce que vous croyez, madame. Je vois qu'on tape encore giflé ici dehors. Tu vas noircir plus que ça. On va rester ici ensemble jusqu'à voir comment on va te gérer. Me gérer? Oui. Jackie, nous allons faire un programme. Vous allez entendre ici dehors que vous aimez les femmes. Tu vas nous gérer tous les deux. Pardon, ma femme m'attend à la maison. Donc c'est maintenant que tu sais que tu as une femme, tu ne bouges pas. Hé, hey, assieds-toi. Jackie, tu sais ce qu'on va faire? Non. Moi, je vais prendre le mardi, le vendredi et le samedi. Là, les restes de jours sont à toi. N'est-ce pas? Tu es bien, hein? Et moi, je fais quoi avec le mardi, le mercredi et le jeudi? Mais, j'ai dit les restes de jours étaient à toi. Donc, tu prends le samedi et on se repose le dimanche. Donc, moi, je n'ai même pas droit à un jour de week-end. Oh. Arrête, alors ça va. Ah, tu pleures trop. Ok. Comment on doit se reposer le dimanche? On pourrait alors partager le samedi ensemble. Voilà. Mais vous faites mon emploi du temps comme ça vous enchante. Ma famille a besoin de moi, hein? Mako, tu as entendu quelque chose? Non. Et toi? Non. Comme je disais, on va partager un samedi à deux. Et le jour qui ne vient pas, on part écrire sur sa page Facebook. Et tout le monde saura comment il ment, comme il respire. J'espère que tu n'es pas amie avec tes enfants sur Facebook. Ouais, Seigneur, qui m'a envoyé ici? Pardon. Laisse-le où il est là. Nous sommes ici. Ok? Lève-toi. Et avance. Tu avais besoin d'un massage, non? Tu voulais te reposer? On va te faire un bon massage. Allez, lève-toi. Arrête. Lève-toi.